On termine cette édition avec ces images des scouts de France qui, comme chaque année, sont mobilisés pour Noël dans les magasins. Hélène et Nathan font partie de ceux qui ont rejoint le centre commercial de l'ERS pour emballer les cadeaux. Le but de cette action est de financer un voyage humanitaire dans un pays d'Asie ou alors d'Amérique du Sud pour aider les enfants en difficulté. Cette action va de pair avec d'autres actions mises en place durant l'année par ces scouts pour récolter des fonds comme le babysitting ou alors le jardinage. Alexis Tessier est allé à la rencontre de ces deux jeunes scouts de France qui aujourd'hui emballent beaucoup de cadeaux. Je propose de les écouter. Notre projet, c'est sur 2 ans. On aimerait bien partir donc à l'international, soit en Amérique du Sud ou alors en Asie, donc pour aider les enfants ou alors aller dans un orphelinat. Donc on ne sait pas encore. Donc on aimerait bien récupérer plein de fonds pour avoir un bon projet. Voilà. De donner de l'aide, j'irais donc à d'autres enfants que nous, les Français. Donc je trouve ça, c'est bien, c'est une ouverture d'esprit. Ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir et c'est un boulot en moins pour nous. On ne doit pas emballer. Bah, c'est l'occasion de faire une bonne œuvre, de faire une bonne action. Et en ces temps, on a quand même assez besoin. Hein. Et puis, si ça permet d'aider des enfants, c'est une bonne chose. On emballe les cadeaux de tous les gens qui ont besoin. On sert, je sais pas trop, ils nous donnent ce qu'ils veulent. C'est pour eux qu'on fait ça, mais aussi pour gagner un peu d'argent pour notre projet. Ça nous fait plaisir. Et voilà. Et puis ça fait vraiment l'esprit et la période de Noël avec l'emballage, etc. Moi, ce qui se représente, c'est déjà d'avoir des personnes qui font un don de soi. Donc de participer à cette période de fête et d'être présent ici. Ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir et c'est un boulot en moins pour nous. On ne doit pas emballer. Bah, c'est l'occasion de faire une bonne œuvre, de faire une bonne action. Et en ces temps, on a quand même assez besoin. Hein. Et puis si ça permet d'aider des enfants, c'est une bonne chose.